la une de l'actualité en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a fait une rare apparition publique dans son fief minier du Katanga au lendemain d'un revers au Parlement. La Cour internationale de justice a tranché en faveur de Paris dans le bras de fer juridique qu'il opposait à Malabo autour de l'affaire dite des biens mal acquis impliquant le fils du président équato-guinéen. Et puis aux États-Unis, les vaccinations contre la COVID-19 vont commencer après l'autorisation par l'Agence américaine des médicaments du vaccin de Pfizer BioNTech. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait une rare apparition publique dans son fief minier du Katanga, dans le sud-est, ce vendredi, et ce, au lendemain d'un sérieux échec au Parlement face à l'actuel président Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a été accueilli par ses partisans à sa descente d'avion à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt et grand réservoir africain de cuivre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour un meeting, je suis juste venu vous saluer, a déclaré en swahili l'ex-homme fort de la RD Congo pendant 18 ans qui n'avait jamais pris la parole en public depuis son départ du pouvoir. Lundi, ses partisans du Front commun pour le Congo, FCC, l'ont invité à livrer sa part de vérité sur la crise politique au sommet de l'État. Dimanche, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la fin de leur coalition au pouvoir. Tshisekedi avait ajouté qu'il souhaitait une nouvelle majorité d'union sacrée à l'Assemblée. Dans la foulée, les partisans de Tshisekedi à l'Assemblée ont obtenu la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, Jeanine Mabunda, lors d'un vote jeudi. Le FCC a perdu une bataille importante, mais son combat pour la préservation des acquis démocratiques, de l'unité nationale et de la stabilité en vue de l'émergence du pays est loin de s'arrêter, a indiqué le FCC sur Twitter. Ce vote fragilise la position du Premier ministre Sylvestre Ilunga, membre du FCC pro-Kabila, comme les deux tiers des membres de son gouvernement. Les amis de Kabila restent majoritaires au Sénat. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, le président Tshisekedi gouvernait depuis janvier 2019 en coalition avec les forces de son prédécesseur, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat, en vertu d'un accord secret. En Centrafrique, la campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives s'est ouverte officiellement ce samedi. Rappelons que la candidature de l'ex-président François Bozizé a été validée il y a quelques jours. La campagne pour les élections générales du 27 décembre prochain en Centrafrique a été ouverte ce samedi. Environ 1,8 million d'électeurs seront appelés à désigner un président et 140 députés. Un second tour est prévu pour le 14 février 2021. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en lice, dont le président Faustin Archange Touadéra, outsider élu par surprise au second tour en 2016. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Martin Zigeli. La Cour constitutionnelle a invalidé le 3 décembre dernier la candidature de l'ancien président François Bozizé au motif qu'il est poursuivi dans son pays, notamment pour assassinat et torture et sous le coup de sanctions de l'ONU, qui lui reproche d'avoir soutenu depuis son exil la contre-insurrection de milices dite anti-Balaka. Le sortant Touadéra, qui apparaît comme le favori, doit tenir son premier meeting de campagne dans la journée à Bangui, capitale d'un pays qui pointait fin 2018 au 188e rang mondial sur 189 de l'indice de développement humain de l'ONU et où soit 11% de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté. La Centrafrique a été ravagée par les combats après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la SELECA, a renversé François Bozizé en 2013. Les affrontements entre SELECA et milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, ont ensuite fait des milliers de morts. L'ONU a accusé en 2015 les deux camps de crimes de guerre et contre l'humanité. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, forte de 11 500 casques bleus, va déployer un important dispositif pour assurer la sécurité du vote.
Pendant ce temps, la Cour internationale de justice a tranché ce vendredi en faveur de Paris dans le bras de fer juridique qu'il opposait à Malabo, et ce, autour de l'affaire dite des biens mal acquis impliquant le fils du président équato-guinéen. Le pays d'Afrique centrale avait traîné la France devant la CIJ, plus haute juridiction des Nations Unies, après une descente en 2012 de la police française dans une luxueuse propriété de Paris, dans le cadre d'une enquête visant Théodorine Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema et vice-président chargé notamment de la défense et de la sécurité de son pays. La propriété d'une valeur de 107 millions d'euros se situe dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Les autorités françaises l'avaient saisie au même titre que plusieurs voitures de luxe. Le bâtiment dispose d'un cinéma, d'une discothèque, d'un spa et de robinets en or et serait l'ambassade équato-guinéenne en France, selon Malabo, estimant qu'en vertu de la Convention de Vienne, l'intervention de la police française est illégale. La Cour estime que la France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l'immeuble comme locaux de sa mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n'avait ni un caractère arbitraire ni discriminatoire. Théodorine Obiang est réputée pour son goût prononcé pour les objets de collection liés au chanteur Michael Jackson, les fêtes, les voitures, les costumes de luxe, tout comme les bijoux, les yachts et la compagne de stars du hip-hop. L'homme de 52 ans est le fils aîné du président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema, qui détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Les autorités éthiopiennes ont réitéré ce vendredi leur intention d'être chef d'orchestre de la délivrance d'aide humanitaire au Tigré. La communauté internationale en réclame l'accès depuis plusieurs semaines. Fin novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a annoncé la prise de la capitale régionale Mekele et la fin des combats. Quelques jours plus tard, l'ONU s'était félicité d'avoir obtenu du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré. Mais l'organisation n'a pas été en mesure d'appliquer cet accord, tandis qu'Addis Abeba ne cessait de rappeler son autorité et sa souveraineté sur son territoire. Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé un nouvel accord pour des missions d'évaluation conjointe qui n'a donné lieu à aucun commentaire spécifique du gouvernement éthiopien. Les Nations Unies affirment que les combats continuent au Tigré et se sont alarmés de violations flagrantes des droits de l'homme et de discrimination envers les Tigréens. Vendredi, Addis Abeba a évoqué des échanges de coups de feu sporadiques. L'inquiétude grandit quant à la magnanimité d'une aide humanitaire uniquement délivrée par le gouvernement. Le gouvernement de Abiy Ahmed s'est attelé ces derniers jours à montrer sa capacité à délivrer l'aide lui-même. Les services du Premier ministre ayant, par exemple, fait savoir que l'État serait décisionnaire du type d'aide distribuée et des zones ciblées. La livraison de l'aide s'inscrit dans un cadre de coordination soumis à l'autorité du gouvernement fédéral, écrivent dans un communiqué les services de Abiy. Les combats ont fait, selon l'International Crisis Group, plusieurs milliers de morts et près de 50 000 Tigréens se sont réfugiés au Soudan voisin. Pour finir cette édition, les États-Unis ont donné ce vendredi soir leur feu vert au vaccin de Pfizer BioNTech contre la COVID-19. Ce faisant, ils ouvrent la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays avec une première injection promise par le président Donald Trump en moins de 24 heures. Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter officiel, le président américain Donald Trump a déclaré que le vaccin COVID-19 est un miracle médical. Le feu vert américain a été donné vendredi dernier au vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à son déploiement imminent dans tout le pays, sous pression du chef de l'État pour accélérer l'autorisation d'urgence. L'Agence américaine des médicaments a annoncé dans une lettre avoir donné sa bénédiction au remède. Les États-Unis deviennent ainsi le sixième pays à approuver le vaccin de l'Alliance américano-allemande après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre. Seulement 3 semaines se sont écoulées depuis le dépôt par les fabricants de leur demande d'autorisation pour ce vaccin dans les États-Unis qui ont préenchanté 100 millions de doses.
Je suis ravi d'annoncer que la FDA a autorisé le vaccin Pfizer. Nous avons donné beaucoup d'argent à Pfizer et à d'autres entreprises en espérant que le résultat soit positif. Et c'est le cas. Au nom du peuple américain, j'aimerais remercier tous les brillants scientifiques, techniciens, médecins et travailleurs qui ont rendu tout cela possible. Nous voulons que les personnes âgées, les professionnels de santé et les secouristes soient les premiers concernés. Cela permettra de réduire rapidement et considérablement les décès et les hospitalisations. Juste avant les États-Unis, le Mexique a approuvé la mise sur le marché du vaccin de Pfizer. La vaccination va commencer fin décembre avec un premier lot de 250 000 doses pour l'administration du produit en deux fois à 125 000 personnes. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de SICA TV.